Et salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Otaku Fan. C'est un petit jeu à la con, ça s'appelle Murder in the Alps. C'est un jeu mobile, c'est un jeu que j'avais envie de vous présenter depuis un petit moment. C'est vraiment un jeu tout con, hein. C'est du point and click, c'est la résolution d'enquête, c'est du puzzle, un petit peu du puzzle game. Je trouve ça vachement sympa ce jeu. Et du coup, je profite donc de l'arrivée du chapitre 4, l'unique rédemption, pour pouvoir partager un petit moment de ce jeu. Qui est totalement gratuit, mais vous avez la possibilité de mettre bien évidemment de l'argent, des euros, pour pouvoir acheter de l'énergie. Ça, c'est le propre des jeux mobiles, de toutes les manières, sachant que arrivé à un certain moment, vous pouvez très facilement faire vos enquêtes en rajoutant de l'énergie, en visionnant plusieurs pubs à la volée. Alors c'est sûr que les pubs faut quand même les voir, donc du coup ça fait perdre un petit peu de temps. Mais d'un autre côté, vous pouvez très facilement jouer à ce jeu sans mettre un seul centime dedans. À l'heure actuelle, j'ai fait les trois premiers chapitres sans avoir mis un seul centime dessus. Donc je trouve très plaisant ce jeu, parce que ça demande un petit peu de réflexion. Et puis des fois, il y a des objets, on ne penserait pas que ils nous disent ouais, c'est ça. Alors des fois, il y a peut-être un petit peu un problème de traduction, et dans leur esprit, voilà, c'est eux, ils pensaient à ça, et nous, on voyait autre chose, et du coup, voilà. Puis il y a des éléments où finalement on apprend à reconnaître certaines choses. Donc, non, c'est vraiment vraiment sympa. Et donc, du coup, on va lancer le jeu. Et j'ai fait une petite ellipse sur le téléchargement pour arriver. Alors je sais pas si c'est c'est bizarre le problème de son. Alors je sais pas du tout si c'est normal ce problème de son, mais c'est marrant parce que finalement la vidéo a continué de tourner, donc du coup c'est bizarre que le fait que a letter from Officer Cotsey. I never thought he would be writing a letter to me. This is going to be fun. Where did I put my paper knife? Voilà, donc du coup, hop. Elle veut son coup de papier, hop. Faut le chercher. Et des fois, voilà, c'est interactif. C'est là où c'est très intéressant. Très temps. Wow, how gracious of him. But I'm not writing this letter to simply apologize. Évidemment. Here it comes. Ouais, moi aussi. Every year, our little town celebrates the feast day of Maria. We would like to invite you to come and celebrate with us on the 17th of August. Everybody will be happy to see you. Everybody. On dirait qu'elle est un peu russe. It's August the 16th, so the
Sans blague. Évidemment. Alors là, il va falloir retrouver le porte-carte. Alors, est-ce que je vais réussir à retrouver ce foutu porte-carte? Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut taper à la machine. Alors, où est-ce que tu vas être? Il semblerait qu'il y a un souci avec le son sur les cinématiques, c'est bizarre. Et je sais pas d'où ça vient ce problème de son, c'est dommage. Mais je pense que sur une tablette ou un téléphone, ça devrait pas y avoir de problème puisque là je suis sûr. Donc. Herman. I was afraid I'd miss you. Luigi asked me to come and tell you he would be. Oh, what happened? I don't know. Some urgent business. Comme d'habitude. For him at the cafe. Let me take your luggage. I will keep it safe until everything is sorted with your. Thank you, Herman. Oui, bon, mon avis, mon hébergement, ça va être comme d'habitude. But I need to run. So I'll see you later. See you. How strange. Oui, non mais merci, j'ai compris. Respire. Oh, it's good to see you. Good afternoon, Miss Myers. Weren't you working on that train? Yes, well, it's a long story. Are you okay? You look tired. I've been going through a difficult time. Excuse me, I need to go. But what's wrong with everyone in Paso today? Anyway, I should go to the cafe. Oh, it's closed. Great. And what am I supposed to do now? I suppose I'll take a look around. Et voilà, on arrive sur la partie où il faut rechercher. Alors, un coquetier. Le cendrier. Les rails. Ah, il faut vraiment bien faire attention à tout. Les mots croisés. Alors, vase et piment.
Et non, ah, par contre, ça, c'est ce qui. Heureusement que ça garde en mémoire. Alors, la montre à gousset. Comme vous pouvez le voir, le piment c'est devenu rouge, donc ça veut dire que le piment est forcément de ce côté-là. Bon bah voilà. Ah bah le vase il était là. Ok. Les spaghettis. Alors c'est bizarre parce qu'on a pu le bouger le. Il manque le pansement et la seringue. Pansement, la seringue, les pansements. Donc du coup, quand on réussit à retrouver tous les éléments, on retrouve quelque chose de spécifique. Là, j'ai trouvé une paire de ciseaux, alors, une paire de ciseaux ensanglantés. Quelque chose comme ici. Oui, bah comme d'habitude, hein. Sinon, il n'y aurait pas de jeu. C'est comme les films, hein. S'il se passe rien, il n'y a pas de scénario. I'm sorry, Anna. It's just that everyone is very busy with the festival. I thought something serious must have happened. Why did you think that? Well, because everybody seems so busy. And I found these scissors covered in blood. Can I have a look? Oh, don't worry, Anna. I think these belong to. N'oublions pas qu'on nous sommes en 1929 et les tests ADN. C'est pas encore d'actualité. It's Chloe Como. I don't think you know her. She lives in a room right above the cafe. Oh, I love newborn babies. Can you introduce me to her and her baby? I'm afraid not. Why did something happen? No, no, everything is fine. It's just that she doesn't want to see anybody, and she doesn't want anyone to see her child. Why is that? Oh, it's a long and complicated story. I'll tell you everything about it later, but now we need to run to the festival. Okay. Everybody is waiting for us in the town square. Et bien sûr, à chaque fois qu'on clique, ça nous bouffe de l'énergie. Mais en plus de ça, chaque action demande ne consomme pas. Par contre, ce qui consomme le plus d'énergie, finalement, c'est des choses où on ne s'attendrait pas à ce que ce soit ça qui en consomme le plus. Mais bon. Voilà. C'est ce genre, par exemple, voilà, de situation où ça consomme le plus de points d'énergie. Mais je trouve très joli, hein. Je trouve très joli le jeu quand même. En termes de dessin, je trouve ça assez sympa. This is only the beginning. Do you see this giant frying pan?
This is the central stage of our festival. We'll be serving tons of fresh fish to the locals and our guests. Incredible. Ouais, incroyable. Buongiorno, Miss Myers. Good afternoon, Officer Cozzi. Let me introduce you to my wife, Theodora. C'est vrai que depuis le temps, on la connaissait même pas. It's so nice to meet you. Tu pourrais me dire enfin votre connaissance. Depuis le temps que tu connais Cozzi. Mais ils ont vraiment un problème. Je me demande si le jeu a pas été fait par des Russes. C'est pas possible. C'est dingue, hein. Franchement, les femmes ont un accent russe alors que... On fait le plus dur, non, trop pas, non. Ouais, je préfère ça. Ouais. On voit qu'elle est italienne et pourtant elle a un accent russe, quoi. C'est marrant. Ok, je s'adresse à un parfaitement le tableau. Oh. Et de deux. Tu me restes bien concentré. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est pas bien compliqué, mais c'est des petits mini jeux sympas, assez sympas. Miss Myers, are you enjoying the festival? Yes, I'm loving it. I'm glad to hear that. May I apologize for Theodora's behavior? I don't know what's gotten into her. She is usually a gracious and charming woman. I'm sure she is, Officer Cozzi. You know, I would like to invite you to our home this evening. What do you say? Bah pourquoi pas, non? I would be delighted. Bah, évidemment. Luigi, you're invited as well. Buono, Signor Cozzi. Good. See you later then. Ça fait quand même bizarre. Good. Officer Cozzi has become very sentimental. See, I always told you that he has a good heart. I want you to see the puppet show. You're going to love it. Sounds interesting. C'est vrai que le théâtre de Guignol, c'est italien. Le duc, le tueur était assis à ma droite. Je n'ai rien vu car j'embrassais une dame. À côté de ma femme, mais elle a dû partir à un moment ou à un autre. J'ai embrassé une dame, ça c'est ça. Le tueur était assis à ma droite. À côté de ma femme, elle a dû partir à un moment. Alors, ouais, mais alors attends.
Et voilà. C'est assez marrant. C'est la première fois que j'avais ce genre de... Ok. Il est temps qu'on verra avec mon ami Casanova à propos de cette petite obsession. Alors Casanova. Car j'embrassais une dame. Alors attends, on fait ça. Alors lui, j'embrassais une dame. Alors Casanova m'a tenu compagnie, bon, c'est le cas. Mais alors du coup, c'est bizarre. D'accord. Alors là, en consultation avec mon ami Casanova à propos de cette petite obsession. L'impôt de la part du duc. Dans ce cas, le duc qui était là. Logiquement, donc du coup, c'est comme ça alors. Non? Ah, ou alors, est-ce que ça serait comme ça? L'étrangleur se trouvait à ma gauche. Oh, ok, d'accord. Ah, c'est la fiesta. J'aurais aimé que ce baiser ne s'arrête jamais. Ma femme me trompait à côté de moi. Bah, je pense dans ce cas là c'est plutôt prendre comme ça. Je pense que c'est avec Casanova. Non. Je me suis fait par la personne à côté de moi. Non plus. Dame manger du poisson, c'était délicieux. Toutes ces dames, donc ça voudrait dire que elle mangeait du poisson. Alors après, elle dit ouais, toutes ces dames. À côté de moi. Ah oui, alors attends, ça peut être comme ça. Non plus. Ah bah oui. C'est ce qui me paraissait plus ou moins logique, mais... Et ben voilà, on a réussi le... Wow, that was cryptic. I wouldn't have figured out the culprit. C'est des années d'expérience. Miss Myers, Luigi, did you happen to see Adriano? I can't find him anywhere. I haven't seen him all day. He is so unreliable. We are almost out of trout. He was supposed to bring some from the harbor. Adriano, what now? Without the fish, the festival will be ruined. Don't worry, Herman. We will go to the harbor and find him.
Grazie, Luigi. Let's go to the harbor. We... Luigi, look. There are boxes full of fish, but no sign of Adriano. That drunkard. He's probably at home sleeping, as you... Let's go and wake him up. Where does he live? He lives in a small bungalow on the other side of the cliff. This passage leads to his house. Okay. Ah bah j'y avais jamais été par là. Puis à mon avis, à tous les coups, il va être mort. Non. Il n'y a personne. Come on. Et voilà. Alors. Un flotteur. La cuillère. Fleur. Et voilà. Et voilà ce qui se passe quand on arrive à court d'énergie. Vous pouvez regarder une vidéo, ça vous remet 20 points d'énergie. Et vous pouvez, et le, comme le max est à 200, bah c'est très facile. Hein. Vous voyez 10 vidéos, vous êtes de nouveau à 200. Vous voyez à peu près combien de temps ça a pris d'utiliser les 200 points d'énergie. Donc ça vous permet de voir très rapidement ce que vous pouvez faire quand votre barre est pleine. Donc voilà, c'était Murder in Alps. C'était un plaisir de vous le présenter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir les notifications pour les vidéos et aussi quand je fais des lives. Le pouce bleu, parce que ça aide grandement la chaîne, ça aide un meilleur référencement de mes vidéos. Et n'oubliez pas le commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye!